j'étais sous l'ordre du suprême. Obéissant, moi j'obéis, je sais pas pour toi. Moi j'obéis un Jéhovah. Obéissant à Jésus sous l'ordre du suprême, je me pose en face de l'arbre de vie, voulant empêcher la probabilité de l'éternité pour les perfections pécheresses des hommes, des femmes de la descendance d'Adam. Car la postérité de la femme n'a pas encore le jour, et la rançon n'a pas encore été payée. En conséquence, ceux qui mangeront de cet arbre vivront éternellement, et ce, dans une condition de pécheur. Pour empêcher cet affront, je garde l'arbre de vie éternelle pour la durée de l'ordre donné, jusqu'à l'arrivée du déluge qui ravagera ce beau jardin. Ce pays où ruisselle les plaisirs de mon Dieu, ce pays où le fleuve de l'Euphrate est la boisson des humains, où l'or et le bdellium font foison, et où Jéhovah vous a Adam et Ève, eux qui avaient pour mission de remplir la terre d'humains parfaits, car à l'image de Dieu, Jéhovah créa mâle et femelle, voulant voir la volonté de Jéhovah s'accomplir comme dit. J'obéis sans réserve à mon Dieu dans l'avenir sûr d'une réalisation réalisée et réellement convaincue que sa souveraineté soit justifiée.